Allez ses amis, c'est LOLPIQUEUSE, on se prend une nouvelle vidéo les gars, une vidéo où on va faire la LDC aléatoire parce que j'ai vu qu'en fait ça vous avait beaucoup plu, il y avait plus de 200 vues et pas mal de likes et du coup j'ai vu que ça vous avait plu, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2, donc l'épisode 2 arrive un peu tard mais bon voilà. Donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est je prends une équipe. Enfin, je prends par exemple là le Real Madrid. Et en fait. Merde, comment on fait voilà, comme ça. Et en fait, je vais scroller. Je ne regarde pas, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, dans tous les cas, comme ça, bon, je peux pas trop voir. J'arrête. Et là, voilà, là c'est la Sociedad. Et bon, on va changer comme là, c'était un petit truc de. Pour vous le présenter. Et on va faire ça sur toutes les équipes de la Ligue des Champions. Et ensuite, l'Europa League, on va juste faire aléatoirement, c'est compliqué à dire, avec le bouton R3. Donc voilà les potes, donc c'est parti, je ne regarde pas et stop. Le Celta Vigo. Ensuite, en Belgique, s'il y a des Belges qui me regardent, Saint-Tron. Ensuite en Turquie, c'est Alanyaspor. C'est pas le pire club de Turquie. Donc maintenant on a la France, bien sûr. Et Dijon. Est-ce qu'il y a des Dijonais qui nous suivent? Je ne sais pas. Ensuite, là, c'est Denizlispor. En Allemagne, Cologne. En Angleterre, il y a du lourd en Angleterre. Et ça va être Leicester. Leicester, ça peut être un prétendant à la Champions League. Maintenant, Pizen. Victoria Pizen. Ensuite, en Angleterre, il y a du lourd aussi. Burnley. Dans le reste du monde. Et on va avoir... Helsinki, c'est le pire club du reste du monde. Hein. En Italie aussi, il y a des clubs vraiment pas mal. Et ça va être l'Hellas Vérone. En même temps, là, tous les gros clubs d'Italie sont encore... Panathinaikos sont encore dans la compétition. Comme la Juventus, tout ça. Donc maintenant, à la place de la Juventus, il va y avoir Lecce. Lecce, les promus. Comme Cologne, d'ailleurs. Et en Allemagne, justement, il va y avoir Fribourg. En reste du monde, le Dynamo Kiev, les potes. Ensuite, à la place de l'Atlético, Atlético Madrid, donc en Espagne, on a Grenade. Donc pour l'instant, en vrai, pour moi, là, le favori, c'est Leicester. Pour moi, en vrai, le vrai favori, pour moi, c'est Leicester. Ensuite, ici, on va voir la Fiorentina. C'est pas mal. En Angleterre, ou Manchester City. Où là, c'est un énorme club. Là, vraiment, c'est un gros prétendant à la Ligue des Champions. En Autriche, on va avoir Sturm Graz. Ensuite, en Belgique, FC Malines. Ok. En Allemagne, maintenant, Mönchengladbach, c'est aussi un très très bon club. Ensuite, en reste du monde, il va y avoir le Sparta Prague. Ensuite, en Italie, le Milan, c'est aussi un très très bon club. Maintenant, en Espagne, on va avoir le Real, l'Atlético, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eibar. Ok. En Allemagne, on peut avoir le Bayern ou Dortmund. Et ce sera pas Paderborn, la pire équipe de D1 Allemagne, niveau allemande, niveau étoile. Ils sont à 3 étoiles. C'est des promus. Et en France... Non, pas ça. Pas Bordeaux. Oh non, hein. J'espère qu'ils vont se faire éliminer. Ensuite, au Portugal. Je rigole, les Bordelais, bien sûr. Je rigole pas. Hein. Alors, maintenant, aux Pays-Bas. Et ce sera Utrecht. Donc Bordeaux peut sortir de son groupe. Et Dijon, en vrai, ils peuvent sortir de leur groupe. Ça va être compliqué avec Alayzensport. Je pense qu'ils vont se battre. Et sinon, c'est quoi le dernier club français où il est Merde, il joue le dernier club français. Ah ben il est là, c'est là. Je suis débile. Du coup, on va le faire maintenant le dernier club français. Ce sera le Nîmes Olympique. Franchement, on a pas des énormes clubs. C'est ça qui est bien. Bon, à part Manchester City surtout. Ou Manchester United. Et voilà, un peu de concurrence avec City, même si je pense que City est au-dessus. Donc là, en Espagne, il peut avoir le Barça, l'Atlético, le Real, ça peut être vraiment énorme. Ce sera le Betis, c'est aussi un superbe adversaire. Et aux Pays-Bas, ce sera le FC Twente. Donc, moi, je vais vous donner un petit peu mes pronos sur tous les groupes, et ensuite, je vais vous donner mon carré final. Donc, dans ce groupe, je pense que ça va être Alanyaspor. Alanyaspor, ah c'est bon, j'avais bien réussi à le prononcer. Et le Celta Vigo qui vont sortir du groupe avec le Celta Vigo premier.
Ensuite, Leicester sera premier, Cologne deuxième. Burnley sera premier et Vérone deuxième. Ensuite, je dirais Fribourg premier et en deuxième Grenade, je veux dire. Groupe E, City en premier et Fiorentina deuxième. Milan, Gladbach, Milan sera en premier. Bordeaux premier et FC Utrecht deuxième. Et ensuite, bon, Nîmes, ça va être compliqué hein, pour Nîmes. Je verrai Manu premier et le Betis Séville deuxième. Et du coup, là, les gars, on va faire l'Europa League. On va appuyer sur R3 10 fois, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a quoi comme. Ah, il y a quand même le Bayern, il y a la Juventus, il y a Sociedad, Hoffenheim qui est pas mal, il y a Porto. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, bah. Ah, bah, je vous ai pas donné mon carré final pour là. Donc là, je vais juste vous donner mon carré final. Donc pour moi, ça va être la Juventus avec West Ham, ouais. West Ham, le Bayern et la Sociedad. Et ensuite, en Ligue des Champions, je vais dire mon carré final Man City, Manu, le Milan et Leicester, on va dire. Allez, voilà mon carré final. Donc voilà les potes, je vais vous retrouver à la fin bah, des phases de poule. Bah, du coup les potes, bah, à tout de suite. Donc du coup les potes, on se retrouve donc les potes pour bah, la mi-saison pour voir les groupes tout ça. 66... Oh je suis troisième sans le vouloir. Du coup on va voir un petit peu. Les groupes, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, et les affiches des huitièmes. Donc déjà, Celta Vigo à Lions Sport, j'avais prédit ça, et en plus j'avais dit que le Celta Vigo finissait premier, tout ça. Cologne Leicester, je l'avais prédit, mais j'avais dit que Leicester finissait premier. Burnley et Las Verones, c'est ce que j'avais dit. Lecce Fribourg, j'avais dit Fribourg-Grenade. Du coup, ben, c'est pas passé. City Fiorentina, j'avais dit ça. Milan et Barre, ah ouais. Mönchengladbach qui se fait éliminer. Bizarre. Bordeaux-Utrecht, j'avais dit ça. Et Manu-Betis, j'avais dit ça. Donc j'ai eu 6 sur 8. C'est plutôt un bon ratio. Enfin, ouais. Les affiches. Real-Betis-Manchester City. C'est une très très grosse affiche, dis donc. Moi je dirais quand même City va gagner. Utrecht contre Milan. Je dirais quand même le Milan. Allianz Sport contre Bordeaux. Je vais dire Bordeaux. Fribourg. Celta Vigo, je dirais Celta Vigo. Hellas Vérone, Cologne, je vais dire Cologne. Eibar, Manu, je dirais Manu. Fiorentina, Burnley, je vais dire Fiorentina. Et Leicester, Lecce, je vais dire Leicester. Et côté Europa League, je vais pronostiquer rapidement. Donc là, Panathinaikos, Trabzonspor, Leganés, Bayern, Juventus, West Ham, Nantes, Mönchengladbach. Nîmes, Sociedad, Porto, Hoffenheim, Séville, Slavia Prague, PAOK Salonique et le Shakhtar. Non, allez, non, on va dire Watford. Du coup, voilà les gars, on va se retrouver dès que bah, les huitièmes de finale bah, sont joués et dès qu'on a les affiches des affiches des quarts de finale les gars. Donc à tout de suite. Donc les gars, on va voir les affiches des quarts de finale et surtout qui a gagné dans les huitièmes de finale et tout ça. Donc on va commencer par Ligue des Champions. Donc le Milan a, enfin Manchester City a battu le Betis, le Milan a battu Utrecht, Allianz Sport a battu Bordeaux, Fribourg a battu Celta Vigo. Pour l'instant j'ai 2 sur 4. Cologne a battu le Las Verones, ce que j'avais dit. Manchester United a battu Eibar, ce que j'avais dit. Burnley a battu la Fiorentina, c'est pas ce que j'avais dit. Et Leicester qui a battu le Chelsea, ce que je veux dire. Donc j'ai eu 5 sur 8. Maintenant au niveau des quarts de finale, City-Milan, je dirais Manchester City. Cologne-Leicester, je vais dire Leicester. Burnley-United, je dirais United. Et là on a une rencontre Fribourg-Allianz Sport. Et franchement, deux équipes
Genre, on s'attendait pas à les voir là. Et je vais dire victoire de Fribourg. Donc, mon carré final, ce serait Fribourg, United, Leicester City. Enfin, pas Leicester City, Leicester et City. Ensuite, attends, du coup, on va voir qu'est-ce que j'ai eu là. Donc, ça, j'avais dit, ça, j'avais dit, ça, j'avais dit, ça, j'avais dit. Pour l'instant, 4 sur 4. J'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit. 8 sur 8. Nîmes, j'avais dit. Sociedad, j'avais dit. Porto, j'avais dit. Hoffenheim, j'avais dit. 12 sur 12. J'avais dit. Prague, j'avais dit. PAOK Salonique, j'avais dit. Et Watford, j'avais dit. Les gars, j'ai eu tout bon. C'est incroyable. Pas un truc où j'ai eu mauvais, c'est incroyable. Le 8ème de finale, c'était ça. Et du coup, voilà les quarts de finale. Donc, moi, pour moi, il va y avoir une victoire de West Ham, victoire de Mönchengladbach, de la Sociedad et du Bayern. Vraiment, les gars, j'ai eu tout juste. C'est incroyable. Si vous ne me croyez pas et vous vous rappelez pas de ce que j'avais dit, bah vous pouvez aller voir avant, mais franchement, voilà quoi. Du coup, on va se retrouver après pour les affiches des demi-finales d'Europa League et de Ligue des Champions. A tout de suite. Donc, re les gars, c'est parti pour voir les demi-finales. Je vais bientôt me faire virer. Du coup, pour les demi-finales, attendez, je regarde pas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en quart de finale? La victoire de City, je l'avais dit. Victoire de Leicester, je l'avais dit. Victoire d'United, je l'avais dit. Et victoire de Fribourg, je l'avais dit. Donc, en demi-finale, on a Leicester, Manchester United et City, Fribourg. Donc, moi, je vais dire Manchester United passe. Et Manchester City passe face à Fribourg. Ouais, je vais dire ça. Et en Ligue Europa, on a West Ham qui s'est qualifié, j'avais dit ça. Mönchengladbach qui s'est qualifié, j'avais dit ça. La Sociedad qui s'est qualifiée, le Bayern qui s'est qualifié. Pour l'instant, en Europa League, les gars, j'ai tout juste. J'ai là 16, 16 et 4. J'ai 20 sur 20 pour l'instant. J'aimerais beaucoup avoir beaucoup de plus de 20 sur 20 en cours, mais bon, c'est pas grave. West Ham, Bayern, je veux dire Bayern et Sociedad Mönchengladbach. Je regardais un petit peu les anciennes rencontres. Mönchengladbach, où ils sont Mönchengladbach? À la Sociedad, ils sont pas sûrs, ça les gagne. C'est au PAOK et en 16e. Au but à l'extérieur et la Sociedad contre Southampton. Allez les gars, je veux dire la Sociedad qui va se qualifier. Donc une finale Sociedad Bayern et une finale City United dans la rencontre juste après. Donc les gars, on va pas se quitter, on va rester ici parce que bah, ça dure 2 secondes la simulation là. Donc je voudrais vous parler de la nouvelle série que j'ai lancée, essayer de se maintenir ou essayer de monter ou essayer de gagner avec des champions, essayer de tout ça avec un club. Et franchement, cette série me tient vraiment à cœur et peut-être que je vais faire une nouvelle série où je vais parler de foot, mais bon. Je vous rends. Enfin, s'il faut cette série de foot que je parle, s'il faut, elle est déjà sortie avant, ou s'il faut, je vais jamais la sortir. Je vous parle d'un projet comme ça dans le vent. Mais voilà. Du coup, en Ligue des Champions, je ne vais pas regarder. C'est une finale. City United. United Leicester, c'était un match incroyable. Leicester qui a battu United 2-0 à domicile. Ensuite, United qui a battu 3-0 Leicester. Donc, c'est incroyable. Et en Europa League, c'est une finale. Ah, Mönchengladbach Bayern, c'est pas ce que j'avais dit. Et du coup, bah, j'ai eu 21 sur 22 en Europa League. Et mon pronostic sur ça, c'est, on va dire, le Bayern. Et c'est une finale 100% allemande. Et là, je vais dire Manchester City, c'est une finale 100% anglaise. Donc, on va se retrouver. Enfin, on va pas se retrouver, hein, on va rester là. Donc, comme la finale joue samedi, la finale d'Europa League sous le samedi 30 et la finale d'Europa League, je crois, c'est le 27 ou le 28. Et du coup, bah, j'ai avancé jusqu'au 31. Logique. Donc, j'ai refait cette série parce qu'il y avait quelqu'un en commentaire qui a demandé de la refaire. Et du coup, j'aime bien faire plaisir à mes abonnés, tout ça, j'ai accepté. Je me suis dit que je l'ai fait le jour même, hein, les gars. J'ai répondu à ce commentaire et je tourne la vidéo le jour même, même si elle sort peut-être dans 2 semaines, je sais pas quand elle sort. Je fais la vidéo le jour même.
On est le 21. Ah ben rupture, mais c'est génial ça. Putain, et voilà, du coup ça allonge la vidéo. Mais non, mais je m'en bats les couilles de quel club. Voilà, oui, c'est génial. Et voilà, il y a un truc. Ah, le Bayern a gagné la Pokal. Au moins, ça ne nous spoile pas qui a gagné l'Europa League. Puisque si j'aurais eu marqué le Bayern a gagné l'Europa League, ça m'aurait fait un peu chier. Juste, on est au combientième du truc? En fait, l'Europa League, on ne s'est pas encore joué. Putain, ils peuvent pas me virer après là, Elsundheim. J'ai dû pas monter en truc. J'ai dû ne pas monter en première division. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont viré. Est-ce que ce club est fort ou pas? Non, ils ont fait que perdre. Ils sont en quoi comme truc? Ah, ils sont en 3e division allemande. Oui, parce qu'il y a le 1860 Munich, c'est pour ça que je le reconnais. Donc, en Ligue des Champions, je vais vite passer. C'est Manchester City qui vient battre United 2-0. Donc voilà, et là en Europa League, je peux faire un 22 sur 23 si le Bayern gagne. Et ils ont gagné 3-0, sans surprise. Donc les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je m'appelle Bernard, comme dit en haut à gauche de l'écran. Et donc les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, bah c'est salut les gars. Allez, salut.